Et salut à tous, on se retrouve donc sur la chaîne pour le troisième épisode. Alors, on continue. Allez, grimpe, double saut, merci. Donc, soit je peux descendre, et en descendant, on dirait qu'il y en a un là. Sauf qu'en descendant, je peux pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On avait un truc planté là, non? Il n'y avait pas un truc comme ça, planté? C'est moi qui ai dû craquer. Ah! D'accord, donc là on la retrouve. Alors, certaines créatures ont une garde solide, difficile à briser. Utilisez une attaque puissante pour casser cette garde. Bon, ça de toute façon on savait, on connaissait. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah ouais, parfait, fallait juste passer derrière, faire un double saut et taper le dos. Ok. J'ai pas des graines à planter? Si. C'est quoi ça là du coup? Cure de rivière, utilisé dans les traitements, les rituels pour débarrasser les bérins des distorsions cognitives, s'appuie par la forme d'un cœur de corail de polype qui atteint le troisième œil pour le consoler et le nettoyer. La seule façon pour les bérins des classes populaires d'obtenir le fruit était de risquer leurs membres dans des jeux semblables à des combats de gladiateurs organisés pour distraire la classe supérieure. Comme de petits morceaux étaient distribués aux combattants comme remontants, le cœur de rivière a rapidement pris le surnom de fruit du sang. Ah. Oh. Eh merde, allez. Ils sont résistants, hein? Alors. Ah, j'abuse. D'accord, donc là je reviens dans un endroit que j'ai déjà visité. Ok. Ah, par contre, je peux planter une graine là, là. Ils sont bien ceux-là pour soigner hein, ces objets?
Ok. Donc là, on revient ici. T'as arrêté, il faudrait que j'arrive à... Non, pas par là. Ah. Ah. Ok. Cette fois par là. Alors, comme exercice final, nous allons nous concentrer sur votre polyvalence et votre humilité en tant que chasseur. En rouant de coups votre proie, vous pouvez la traumatiser indûment, ce qui diminuera votre butée à mesure que vous la réduirez en bouillie. Utiliser des attaques variées pour garder votre esprit autant affûté que votre lame vous permettra d'obtenir les meilleures récompenses. Voyez si vous pouvez m'attaquer sans répéter deux fois le même mouvement. Ah non, mais attends. Eh merde. Alors, t'es là par contre, je peux pas y aller. Non, là, je peux pas y aller. C'est pas grave. Out.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là ou là? C'est quoi la différence? Ah non, 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 attends, prends ça, ça. Ça, c'est bien, ça. Genre de graines, là. De souvenirs, je sais pas quoi, là. Des pays dorés et bleus, je portais ma fierté comme l'argent, toujours à exceller, jamais rassasié. Des colonnes d'air vibrant transmises de génération en génération célèbrent le serment de la chasse. Je me suis battu avec virtuosité, mais j'ai dépéri spirituellement. J'ai ne montré ma véritable force que par le sel et le sang. Ah, tu vois, les souvenirs des différents personnages du jeu, je pense. Sauter à nouveau juste après avoir atterri pour effectuer un deuxième saut légèrement plus haut. Le bleu, c'est compliqué par rapport à j'ai l'impression. Ok, il n'y a pas d'autres trucs au niveau des attaques? D'accord, donc là on arrive dans la partie haute. Ah putain, d'accord, ok ça. Ah c'est ça, et tac, ça fait tomber du truc et ça détruit le rouage. D'accord. Allez, de retour là. Vous avez fait honneur à la proie, mais aussi à votre potentiel, qui ne vaut certes rien sans action. La chasseresse Vassa. Ah, c'est mal ça. Qu'est-ce que ça nous fait là? Eh merde. C'est joli cette action là que j'ai faite. Ok. Ah putain. Et ben voilà, ça dégage. Bon, ça va, franchement. Il me semble avoir sous-estimé votre détermination. C'est tout?
Ça signe comme ça là? Ah, il a évolué, Lutin. Il a changé de forme, ouais. L'utilitaire active une lame de scie qui peut couper des plantes ou d'autres matériaux organiques. Je sais pas comment ça sert, mais si tu le dis... Ah, cool. C'est bien, ça. C'est pas mal. Ah, j'adore. Ah, pour ça, ça c'est bien ça. Ah ouais, cool. Ah, pas mal, tu peux même t'en servir et tout sur les ennemis, c'est pas mal. Tac, 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 tac. Donc là, du coup, on va pouvoir accéder à de nouvelles zones. Ça, ça va être pas mal du tout. Faudrait que j'aille où là? Donc là, je pense qu'il faut que je suive la merdouille noire, là. Alors, déjà pas par là. Elle veut pas clamser définitivement, non? Ce serait pas mal. Au moins, ça débarrasse, on n'en parle plus. Donc, par là. Oh, je pense qu'à un moment on va retomber sur l'autre là, non? Le masqué là. Voilà. On est où là? Bon, déjà j'ai perdu le double saut. C'est bien, c'est que petit à petit je perds tout à chaque fois. Ça, c'est pas mal ça. Attendez. Ah ben il est là le masqué là. Vous êtes le tueur de Chamachal. Je comprends pas tout au niveau de l'histoire, mais... Le cycle commence à nouveau, que notre mycélium silencieux continue l'agitation et rétablisse ce qui était jadis. Du coup, là, on reste 5, quoi. Alors, à nouveau se relever.
Nous vont se retrouver sans armes, sans double saut, sans que dalle. À l'ancienne. D'accord. C'est chiant, je trouve, à chaque fois de devoir aller récupérer un nouveau ton d'arme, tes trucs, tes machins. Tu perds toutes tes techniques, toutes tes compétences, tu vois. Je trouve ça dommage. Le poulpe qui apparaît, comme d'habitude. Ah non. D'habitude, il y a une poulpie. Alors là-bas, comme d'habitude, c'est toujours fermé, y a rien d'extraordinaire. Tac, 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 tac.
T'es de retour, lui. Elles ne sont pas carnivores, mais un estomac vide pourrait rendre n'importe qui grincheux. Ah, mais parce qu'on peut les nourrir et tout? Mais c'est sympa, ça! Je savais pas qu'on pouvait nourrir les créatures, moi. C'est cool! Mange. Regarde. Et con ou quoi? Oh là! Calme-toi, non? Allez. Non, je sais pas trop où aller là. Alors, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait? J'allais par là, il n'y a pas.
Au-dessus de moi, il apparaît dans le ciel ce phénomène agrémenté d'une étoile d'une taille inhabituelle tombée pour atteindre la surface de Béréa. S'enfonçant profondément dans la poussière, les restes d'un vaisseau abandonné ont rapidement attiré l'attention d'un groupe sélectionné d'habitants de la planète. Flottant au-dessus du vaisseau, une sphère bouillonnante s'élève, diffusant une lumière particulière. Il en reste bouche bée. Ouais, mais le problème, c'est que je peux pas aller de l'autre côté, quoi. Non, je peux pas monter là après. Et merde. Allez! Allez, j'ai enfin récupéré mon truc. Ah, sélectionné. Ah, bien ça. Retourneur. C'est quoi, retourneur? D'accord. Et tondeuse. Ça, c'est bien ça. Je peux changer de programme, c'est cool. Alors, du coup, maintenant, il faudrait que j'essaie d'atteindre une nouvelle zone. Peut-être en descendant. On va finir noyé là-dedans, non? Merde. Je suis gouré de touche. Allez, la créature, ça dégage. T'es vilain, lui, hein? Le verger putride. Ah, ben voilà, hein, le verger putride. C'est quoi, ça? Les champignons, là? Allez, parfait. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va pas attaquer la nouvelle zone, hein, ça sert à rien. On en a déjà fini une juste avant. Voilà, ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et sur ce, ciao ciao!